Radio 1, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Il semblerait que les heures sont comptées pour les quelques 113 squatteurs de Pointe-au-Sable. Ils sont sommés de quitter les lieux après l'émission d'un ordre d'éviction la semaine dernière. Mais en cette période de confinement, ils ne savent pas où aller, tandis que les autorités campent sur leur position. Ces familles, impuissantes et en détresse, disent vivre un véritable calvaire. Avant de monter, je suis à bout de la terre là. Je suis allé bien avant, je suis expliqué que je suis à bout de la terre. Je suis allé voir un squatteur, je dis oui. Nous pouvons checker. Et là, on commence à monter. La police est venue après une semaine. Je suis allé faire mes ben. Et quand je suis allé, je suis allé le plan, tout qui côté. Je suis allé à la mort derrière. Mais écoute, moi, j'étais plein à la mort. Moi. Il est bien, bien là, la mort là. Je suis allé, nous pouvons guetter. Je suis allé craser. Mais finalement, vous voyez, même son lendemain, ben, pointé, venu, il m'a jamais la case, il pointé. Je suis allé craser. Mais moi, je vais dire au gouvernement, guetter, s'il trouvait une porte sur la terre. Moi, je m'en excuse, mais c'est moi. Fais-nous gagner place. Moi, je déjà loué la case, qui là, je garde des missions avec le propriétaire. Ben, je suis allé rester avec ma maman, qui quand même que ma maman est déjà serrée. Et dans déjà mon frère, ce mon enfant et ce madame, plus mon co-frère, ben, nous allons essayer de combattre pour nous garder une place pour nous rester. 6 500, moi, tu peux payer. Ben nous me pensais quand nous gagnons la carte nous besoin trouve casse pour nous payer et nous chier les bévins pour nous pas fait besoin louer pour nous rester qui nous paye d'un dimanche casse et qu'ils amènent la casa pour venir pour nous. Je préfère un appel à ban autorité, au gouvernement, à ban ministère concerné, au ministère du logement, au ministère de la sécurité sociale et de l'intégration sociale. À nous, c'est trouver une solution ensemble. À nous, assises autour de la table négociation, dans le calme. Et je connais qui, ça va dire qui écoute mon appel. Je tenais l'équerre et je connais ça l'équerre pour cause avec votre conscience. Et nous pas capable accepter qui dans une situation comme nous était ici, qui en a 50 la case pour le craser avec des enfants qui pouvaient bien dormir en bas pont. Encore une fois, mon appel c'est à nous discuter, à nous négocier, et pendant la période de négociation, pendant la période de confinement, de couvre-feu, pas grâce à Bandakas, Bandimoun Misère. Il y en a beaucoup, ça Bandimoun, là, qui vraiment, il y en a un bon problème. Tout bizarre, retourne côte Jotiété avant, parce qu'il kiffait. Et il y a un paquet du monde qui, déjà dans Maurice, peut attendre la case, peut attendre l'aide. Ça, c'est un droit fondamental. Pour ça Bandimoun qui l'a, laisse-moi rappeler où, qui, la NHDC, lui construit la case. Bandimoun, lui, capable d'enregistrer, lui, à la NHDC, lui rentre dans la liste d'attente, et aussitôt qu'il a case, peut construire. Pour du monde qui peine à case pour payer un NHDC, lui, à l'enregistrer, lui, auprès de la NEF. Radio 1 sur le www.r1.mu.